le premier objectif vraiment des filles était de faire le meilleur résultat d'une équipe nationale. Voilà, dans ce championnat. Donc à partir des deux premières victoires, leur objectif était réalisé. Donc après, on s'est concentré match par match. Et contre l'Allemagne, les filles ont vraiment fourni un grand match. Malheureusement, elles ont manqué d'expérience sur les moments importants, les moments clés du match. Malax perd 7-5 au troisième contre une très très bonne joueuse, une spécialiste battue aussi. Perd 7-5 au troisième après 3 heures de combat. Très très dur, elle avait beaucoup d'occasions sur le troisième set. Il faut dire que Malak n'a que 15 ans, donc elle a encore de l'expérience à se faire sur les tournois. Et après, sur le deuxième match, la numéro 1 allemande est très très costaud. Elle a vraiment le niveau WTA, là, très très bon service, très bon coup droit. Malgré cela, Aya a fourni un super match. Elle a fait un deuxième set exceptionnel où elle s'est imposée et elle a eu des occasions au début du troisième où elle aurait pu faire la différence. Malheureusement, là encore, ça se joue sur l'expérience. L'Allemande, elle joue chaque semaine ce genre de match. Malheureusement, Aya, pour jouer vraiment ce genre de match, il faut qu'elle voyage, il faut qu'elle fasse 5-6 heures de route pour aller chercher ce genre de match. Donc effectivement, après les quarts de finale contre l'Allemagne, on a perdu 2-1. Et on a joué les matchs de classement, on a battu le Mexique. Les filles aussi, donc après le match contre l'Allemagne, c'est vrai qu'il y avait une petite déception et c'était un peu triste. Mais le lendemain, elles étaient encore gonflées à bloc, super motivées. Elles ont fait un grand match, très très grand match contre le Mexique, ne concédant que 2 jeux sur les 2 simples. Ce qui est très grande performance sur un match de classement entre la 5e et la 8e place. Après la victoire contre le Mexique, donc on a joué le Canada. Malheureusement, sur le dernier jour, après 5 grosses journées de compétition, les deux filles... vraiment, elles étaient un peu fatiguées, avec des petites blessures. Et pour pouvoir gagner ce genre de match, il faut être frais et prête à 100%, sachant que les filles en face, elles avaient un meilleur classement. Malgré cela, bon, elles ont fait le maximum, mais le Canada était plus fort ce jour-là. Pour ces filles, ça ne doit pas être une finalité en soi, ce résultat. Il faut qu'elles travaillent encore plus. Là, elles ont vraiment le haut niveau, ce qu'ils demandent. Sachant que quand on est sur ce genre de compétition, moi j'ai déjà été capitaine sur des championnats du monde plusieurs fois, et 2-3 ans après, on trouve les joueuses, on les trouve dans le top 50, dans le top 10 WTA.